le gouvernement condamne l'idée même qu'un pays étranger, fût-il les États-Unis, se permette de sanctionner un fonctionnaire congolais. C'est un acte inadmissible de substitution de souveraineté que nous n'approuvons pas. Nous le condamnons et l'ambassadeur Kikaya Bin Karoubi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de diplomatie, est en route, va arriver dans quelques instants aux États-Unis pour pouvoir exprimer notre réprobation de ces pratiques qui sont des pratiques de tentative de substitution de souveraineté. Nous n'acceptons pas ça. Quels que soient les faits reprochés, ce n'est pas à un gouvernement étranger de prendre des sanctions contre des agents du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc nous n'avons même pas à entrer dans le fond. Sur le principe, aucun Congolais ne devrait accepter de telles pratiques. Le gouvernement des États-Unis n'a pas à modifier ou à maintenir le comportement des citoyens congolais. Personne ne leur a donné ce mandat. Je ne connais pas de Congolais qui ait élu un Américain pour s'occuper des Congolais. Je pense que les Congolais ont leurs élus qui s'occupent. Donc, je pense que c'est une substitution, une tentative de substitution de souveraineté qu'il faut condamner par principe. C'est ridicule, cher ami, c'est ridicule. Je ne voudrais pas prolonger cette discussion. Totalement ridicule. Nous ne sommes pas un pays qui est sous la tutelle des États-Unis. C'est moi qui vous remercie.